Peggy 16. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis dans l'épisode numéro 3, je vous ai parlé qu'on pouvait personnaliser un petit peu les armes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Campagne. Sélectionner la mission. On était à cette mission là. On était en mode soldat. Le projet Zoïc. Les infos trouvées à l'Oasis parlaient ainsi du projet mystérieux de Valon en Afrique. Je dois trouver des réponses, mais ne trouve que des questions. J'ai pour ordre d'interroger l'informateur pour éclaircir les zones d'ombre. Mais le problème, c'est qu'il est retenu dans un camp de prisonniers au nord. Et le seul passage est le col d'Alfaya. Je voyage avec le Long Range Desert Group. Et les Allemands ont déployé des canons 88 mm et de nombreux véhicules. On ne peut pas se permettre une bataille. Il va falloir éliminer les canons et aider le LRDG à passer. Le col fortifié regorge d'espaces étroits et d'opportunités de combat rapprochés. Je dois surveiller mes arrières et prévoir des mines pour passer. L'endroit mérite son surnom de col des feux de l'enfer. Donc voilà, là je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment faire plaisir. Donc LB. Donc là on peut personnaliser tout simplement les armes. Donc là je suis en position A, il y a Alpha, Bravo, comme vous avez pu voir, ça change selon les équipements que j'ai envie. Donc maintenant je vais modifier un petit peu les trucs. Donc ce sniper là, vous avez plusieurs possibilités, vous avez vu, avec les snipers, ça dépend lesquels que vous allez prendre. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins bien. À vous de bien choisir lequel vous intéresse. Donc après on a la possibilité tout simplement de le personnaliser encore plus. Par exemple, on peut prendre la lunette, etc. Après, on pourra par exemple prendre le canon, etc., etc. Le mécanisme standard. Après, j'ai changé un petit peu au niveau de la mitrailleuse, qui était un peu plus intéressante. La MP40, elle a un tout petit peu plus d'avantages. C'est pas forcément la meilleure, c'est la Thompson pour moi. Donc après, le petit pistolet que je vous ai parlé, rappelez-vous, on était avec cette connerie-là. Donc maintenant, c'est beaucoup plus agréable de tirer avec. Donc là, j'ai pris des mines. On a la possibilité de mettre soit de la dynamite, etc., etc. Soit des mines anti-char. Celle-là, c'est la meilleure. Vous la plantez et franchement, elle est excellente. Donc vous allez voir par vous-même. Donc là, c'est les balles perforantes. Donc pour l'instant, je ne peux pas les actionner parce que je n'ai pas débloqué le truc. Donc j'ai pris des mines à câble, etc. Donc il y a de quoi se faire plaisir en tout cas, les amis. Par contre, c'est quoi ça? Le bondage, c'est intéressant. On va en prendre un plutôt. Voilà. Que c'est bien d'en prendre autant, mais ça va pas me servir à grand chose. Voilà, comme ça on a deux bandages au cas où. Et on a une mine de chaque. C'est parti, vous êtes prêts? On commence la mission immédiatement. Body, c'est retour. Et après, c'est là que tu commences. À mon avis, ça va bien chauffer là où on doit y aller. Hein. Je sais pas pourquoi. Franchement c'est pas mal hein, mais ça va pas rigoler à mon avis tout ce que je dois faire. Hein. Faudra que je fasse quand même attention. Voilà je cours parce qu'à mon avis je veux pas tomber sur des gardes immédiatement. Mais on sait jamais. Par contre attention à votre rythme cardiaque. Hein. Plus vous courez, bah, plus vous serez moins précis après avec votre sniper. Hein. Voilà, là il y a un garde, faut que je me tais. J'ai l'impression qu'il est tout simplement en haut. Je vais essayer de neutraliser au corps à corps si j'ai bien sûr la possibilité. Sinon, ça va être un peu le drame. J'ai l'impression qu'il est isolé pour l'instant. C'est un garde en solo. Et bah voilà. Il est tout seul, il est en train de guetter. Il m'a même pas entendu venir. C'est ça qui est bien.
faut pas non plus que je me colle trop à lui. Maintenant, on le neutralise. On va fouiller un peu son corps. On n'a rien trouvé, c'est pas vrai. Ils exagèrent. Je vais juste faire star. Plutôt select. Non, ça marche pas. Et que star qui marche. Parce que des fois, on a la mission aussi qui me débloque des trucs, en fait. Ça, pour l'instant, je sais pas encore c'est quoi. Là, on a la carte. Donc, nous, on est tout simplement positionné là. Faut que je détruise tous les grands trucs à côté. Ça, c'est bien fait, quand même. Et voilà. Donc, c'est quand même des petits malins. Ah, il y en a un, là. Mais comment tu veux que je le neutralise, lui? Oh, non. Ah, comme quoi que des concours, il peut me remarquer, hein. Ils exagèrent quand même, hein, les mecs. Hein. Je crois que le mieux c'est de passer par en bas ou par là-haut. C'est quoi? Je vais m'amuser un petit peu avec les gardes. Comme ça, peut-être qu'on pourra trouver des trucs intéressants sur leur corps en les fouillant. Il est tout seul lui ou pas? Coucou toi. Oh, je suis quand même violent, c'est pas bien. Bon, on va fouiller, j'espère qu'il y a quelque chose. Ouais. On n'a rien ramassé du tout d'intéressant. Où est-ce que je suis? Ah, il y en a un là-bas. On va éviter de neutraliser celui-là. Je peux lui mettre une balle, mais après je vais me faire détecter par tout le monde. Quoique... Non, on va éviter, ça sert à rien. Juste pour un garde. Mais c'est quoi là-bas qui brille? Non, c'est rien en plus. Il y a un d'extra, peut-être qu'il y a quelque chose à ramasser ici. Une caisse. C'est quoi? Juste pour pas que vous me dites, Body, tu l'as pas tué. Ok, je vais m'en occuper. Je vais écouter ce que vous allez me dire. Hein. Donc après, s'il y a rien d'extra, c'est pas de ma faute. Hein. Faut pas me dire, ah, Body, il avait rien. Hein. Je le sais. Mais par principe, je vais essayer d'éliminer les trois qu'il y avait ici. Au revoir, toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu te fous de moi. Ah, là, il y a quelque chose qui m'a plu, là. C'est tout? Oh, non. Ok, c'est juste... ok, c'est tout. Bon, bah, on poursuit. Donc maintenant vous savez bien si vous passez par là qu'il n'y a rien d'extraordinaire. On peut passer de l'autre côté là ou pas? Ah, on peut, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a plusieurs chemins. Bon après vous allez pas me dire non plus c'est extraordinaire, mais il y a quand même plusieurs routes qu'on peut emprunter. D'abord, trouver ces canons de 88. Quoi ça là-bas? Là il y a un village qui, que j'aime bien là. On va éviter d'y passer parce que je pense que je vais laisser une jambe. Alors maintenant, observons un peu. Jumelle. Un garde. À mon avis, on aura plein. Dans le mirador, il n'y a personne. De ce côté-là. J'espère juste... Ah, il y a des petits vénards. Non, je croyais que c'était un mec ici. Non, il n'y a personne d'autre. Tu vas pas me faire croire qu'ils sont que ça. Ah, je suis en train de détecter plein de trucs. Bon, on avance. Hein. Ça va, ça fait quand même quelques gardes. Hein. C'est bon, il y a un truc pour le bruit. Ah, je vais immédiatement. Moi, je me prends pas la tête. Hein, mais j'entends le petit camion. J'exécute. Il n'y a personne ici de l'autre côté? Tu vas pas me dire qu'il y a vraiment personne. On doit passer par où, nous? D'accord, c'est ça les distances. Eh, c'est super loin. Hein. Ah, là, il y a un mec, en fait, ici.
Ah, on va éviter. On va le neutraliser au corps à corps tranquillement. J'observe s'il n'y a pas d'autres gardes à côté. Bah justement, il y en a qui l'observent. Oh putain, c'est pas vrai. Ah ouais, d'accord. Ils sont trois. Regardez, ils sont tous en train de venir sur la même zone. Donc là, il y en a un autre. Regardez bien aussi la carte en bas, des fois à gauche. Hein. J'attends que l'autre disparaisse. Heureusement que je l'ai marqué sur la cible, ça me permet de bien le voir. C'est bon. Alors comment on ramasse le corps? Voilà, c'est ça que je vous conseille de faire. Ça nous évite de nous faire détecter. Ah par contre, je peux plus ramasser les munitions après. Ok, c'est pas grave. Là j'ai encore le petit bruit. On va se faufiler. Oh merde, il va se retourner lui. Je suis pas pressé, je suis pas pressé. Hein. Le camion, je pense qu'il va. C'est parti. C'est bon, ni vu ni connu. Ni vu. Ni connu. C'est quoi ça? Pour l'instant, ça va. Personne m'a remarqué, personne m'a vu. Donc la cible est juste à côté. Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est là-haut le mec. Merde. Et comment tu montes là-haut? Par contre là j'ai plus de camion pour m'aider. Hein. Ouais, il y a un mec là-haut en fait. Bon, c'est pas grave, personne m'a vu pour l'instant. C'est l'avantage que j'ai. Lui, faudrait que j'arrive à le tuer. Sans non plus me faire repérer par les deux autres gardes sur le côté. Ouh là là, ils sont juste à côté les deux autres. On va le jeter discrètement ici. Parce que si tu commences à le jeter un petit peu mal, j'ai peur de me faire détecter. Maintenant, il y a combien de mecs là? Il y en a deux. Alors j'ai une double possibilité. Les deux en même temps, je pourrais jamais les neutraliser. Et en plus, ils vont me gêner. Que dois-je faire ici? Il y a même des mecs en face. Oh lolo, attends, faut que je reprenne les jumelles. Faut que je commence à marquer un peu les autres cibles. Non, là il n'y en a pas. On a juste un, mais je sais pas où il est planqué. Ah, ça va être chaud là. Je sais pas si je peux me baisser sans me faire voir. Combien j'ai de gardes ici? J'en ai zéro. Le pire, c'est que je peux pas lancer de truc. Hein. Que dois-je faire? Alors là, si je suis un bon sniper, je vais neutraliser les deux en même temps. Merde. Ouah, détonation, ça y est, ça vous suit. Trois détonations, c'était sûr et certain. C'était à prévoir que j'allais me faire avoir. Hein. Je disparaisse. Je sais pas où j'y vais, mais j'y vais de ce côté-là. C'est bon. Faut pas que je loupe une étoile. Par contre, je me suis éloigné. Je sais pas où je me suis mis là, mais. J'ai un peu exagéré là quand même. Quoi, il m'a vu lui ou quoi? Ah non, il saute. Ah, il m'a fait peur. Pour l'instant, on a fait un perfect. On va éviter de se faire remarquer. On va ramasser le corps. On va le jeter là-bas, là. Donc maintenant, il me reste un individu. La cible est là-bas. Oh là là, comment je suis parti loin, moi, dans les cibles aussi. Là, il y a un garde par terre.
Body vous divise bien, mais espèce de idiot. Ah, j'ai trop mal visé. 3 détonations, ça y est, je suis remarqué. C'est pas grave, on attaque le combat. Donc on peut s'en aller, hein. À mon avis, il y aura peut-être des gardes qui vont surgir d'un peu de partout. Et par contre, des fois, tu vois rien. C'est bon. Là, il y aura un peu plus d'action. Voilà. Ah, viens, 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 viens. Mais sur ta petite tête, t'inquiète, moi, je reprends mon rythme cardiaque. Tranquillement, tu vas pas me stresser. Ah, viens. Ah, il va pas venir, il va se dégonfler, vous allez voir. Il va même contourner. Allez, une dans les cojones. Dans les cojones. Aïe, 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 ça va faire mal, ça. Cette balle-là... Ah non, même pas. Ah, j'y ai cru. Donc là, il y avait un gars tout à l'heure, comme par hasard. Ah, toi, t'es là. Au revoir. Bien joué. Donc là, j'ai repéré des trucs qui m'intéressent. Ah mais tu vas pas m'embêter toi, hein. C'est bon, elle a été touchée. Donc là-bas il y a encore un autre individu. Sors ta petite tête. Ah, le pire c'est qu'il veut pas sortir sa petite tête, hein. C'est bon. Bah là je pense qu'elle va aller loin. Il m'en reste quelques-uns encore. Oh putain, ils arrivent vite, hein. Attendez, parce que celui-là, il va super vite, hein. Je vais plutôt me planquer encore à nouveau. Où est-ce qu'il va arriver? Je recharge tranquillement mon arme. Ça y est, ils arrivent. Il y en a un ou deux. Bon, pour ceux qui adorent aussi les explosions, je vais vous en faire aussi de temps en temps, ne vous inquiétez pas, hein. Oh, j'ai tiré en flash cop. Oh putain, waouh, je comprends pas là. Oh là là, cache-toi. Ah, c'était pas évident, j'ai rien compris là. Oh là là, par contre, ne neutralise pas mon petit arbre. Ah, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait, hein. J'ai sélectionné quelque chose, je me suis fait avoir. Bon, on va prendre la petite rousse. Allez. Non, quel con. Je me suis un peu trop soigné là. Voilà. Là, ils reviennent vers moi, les autres. Hein. Je sais pas si vous les voyez, mais ils viennent. Hein. Ah, tu me diras d'un côté, c'est pas trop grave. Hein. Ça m'éliminera certains gardes. Par contre, là, ils arrivent. Hein. Où est-ce qu'il est, lui? Une en pleine tête ou dans la poitrine, peu importe. Tant que ça finisse sur lui. Et qu'il se relève plus, c'est bon. Il y en a un deuxième normalement. Où est-ce qu'il est le deuxième? Pourtant je l'ai vu. Oh lolo. Un peu trop près celui-là. Un tout petit peu trop près ce garde. Ah les petits malins, il est où? Bon là on va soigner les deux petites barres là qui me restent. Ouais je vous ai promis la petite explosion mais malheureusement je l'ai pas fait. Voilà, ça, là ça va bien péter avec la grenade là, non? Ah la petite grenade, faut que tu pètes. C'est bon, je l'ai touché. Je sais pas si je peux passer de l'autre côté. Ouais, exact, tu peux. Il me reste où le mec là, le prochain? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain, j'étais sûr. Ah, oh, mais c'est pas vrai, c'est le temps que je chambre la cartouche. Ah, quel dommage. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu vers la fin.
Oh non, me dis pas que je recommence. Ah, ça va, je recommence là. J'avais oublié que cette arme-là, elle est assez particulière. Bon, on va se cacher. On va se la jouer un peu plus furtive cette fois-ci. Je suis à 22. Ok, on va s'en aller. Je pense que là, ça va disparaître rapidement. Voilà, on revient. C'est un peu con quand même, truc. Hein. Peut-être qu'il y a un chemin ici, non? Une trousse de secours, non, il n'y a rien. Là, il y a des documents. Mais vous avez vu, ça n'a pas rigolé quand même. Hein. Corps à corps. Normalement, il ne me voit pas. Merde, il est où, lui? Corps à corps, toi aussi. Ah, l'erreur stupide que j'ai fait, c'est de sous-estimer le garde qui était à côté. Donc là, on va poser les mines. Ne vous inquiétez pas, que là, ils vont faire un méga plouf. Je récupère quelques munitions au passage. Par là on peut passer aussi. Ah ouais. Donc, ok, donc déjà faut que je détruise ça. Donc si ils peuvent arriver aussi par là les mecs, non? Bon, vous savez quoi, je vais m'occuper des objectifs, sinon on va jamais y arriver. Peut-être je fais un peu de tourisme ces derniers temps sur le jeu. Fin d'alerte, mais il peut encore arriver. Hein. Merde, il m'a détecté. Il m'a détecté. Allez, fais dodo, toi. Hein. Où est-ce qu'il est? Ne me dis pas qu'il m'a détecté au premier étage. Ce serait pas possible. Putain, mais laisse-moi le temps de me cacher. Ah mais des fois... Ah mais comment ça bloque? C'est pas vrai. Ah j'étais bien caché mais ils m'ont quand même démasqué. Là-bas il y a un mec qui m'en joue. On va éviter de montrer notre face de citron. Je vais prendre un petit bandage. Arme de poing, attention il y a un mec qui arrive. C'est bon. Petit fusil, il y en a un là-bas. Bon, mais ils sont sérieux. C'est lui là qui m'a fait encore mal là. Attends, je vais me soigner parce que je connais ce jeu, comment il marche. Il est où l'autre là? Attention parce que ça va arriver. Je commence à les connaître, ces petits malins. Allez, venez, approchez-vous. Voilà, comme j'expliquais, on a déjà deux là, trois maintenant. Oh là là. Je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais jouer comme ça, attends. Normalement, là, il pète, hein. Voilà, tiens, déguste. Et un petit dernier. De toute façon, les grenades, je m'en fous un peu parce que j'utilise quasiment jamais ces trucs-là. Ouais, elle m'a bien tué celle-là en tout cas. Bon, elle est où la cible? Elle est neutralisée, elle est juste de l'autre côté. Quoi, il y a des mecs en bas là? Ok, les petits malins. On peut le fouiller aussi le mec. Ah, c'est bien, j'ai obtenu quelque chose, amélioration des jumelles. Là, il n'y a rien à ramasser. Ah, je pense qu'il y en a là-haut, c'est pour ça. Ouais, justement, il y en avait un là. Et putain, laisse-moi le temps de monter.
Oh, ça va super vite. En tout cas, les amis, désolé, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Ok? À tout de suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.